L'histoire de France a fait escale sur une petite île volcanique perdue au milieu de l'océan Atlantique. Sainte-Hélène, connue dans le monde entier grâce à Napoléon. Aujourd'hui, nous ne sommes pas obsédés par Napoléon, mais nous respectons l'héritage qu'il nous a laissé et nous sommes reconnaissants. Fait prisonnier par les Anglais, exilé, l'empereur français passe ici les dernières années de sa vie. Ce que fait tout homme d'État quand il se retire, il écrit ses mémoires. C'est ce qui va occuper Napoléon. Le 5 mai 1821, Napoléon meurt. Les touristes veulent voir la tombe de Napoléon à Sainte-Hélène en sachant éperdument qu'elle est vide. Pourquoi ? 200 ans après la mort de Napoléon, le tombeau de Sainte-Hélène est vide. Mais il reste à jamais le dernier carré de l'empereur. Encastré dans cette vallée, la capitale de l'île, Jamestown, devient l'ultime conquête de Napoléon. La communauté a conservé religieusement quelques indices du passage de l'empereur à Sainte-Hélène. Parmi les pierres tombales que nous possédons ici dans l'église de Saint-James, il y a celle qui appartient au général John Hare. Comme on peut le voir, il a été le commandant du 27e régiment d'Inniskillings. Il est mort lors de la bataille de Waterloo contre Napoléon. L'empereur a perdu cette bataille, mais il est entré dans l'histoire. Donc on essaye de montrer à ceux qui visitent l'île tous les liens avec Napoléon. Napoléon n'a pas brillé à Waterloo. Il y a autre chose que j'aimerais vous montrer. Je ne peux pas vous apporter le registre d'origine, car il est sous protection, mais c'est une copie du certificat de décès du 9 mai 1821. On peut y lire que Napoléon Bonaparte, ancien empereur de France, est mort le 5 mai 1821 dans la maison de Longwood. À ma connaissance, il n'existe pas beaucoup de documents sur la mort de Napoléon. On est donc très fiers de l'avoir. Dans la rue principale de Jamestown, peu de références à Napoléon, comme si l'île voulait échapper à son prisonnier. Napoléon a été, je suppose, notre détenu le plus célèbre. Voici la maison de Porteus. Elle vient d'être reconstruite. C'est là que Napoléon a habité dès son arrivée. Et la maison bleue en face s'appelle Wellington, du nom du duc qui a battu Napoléon à Waterloo. C'est assez ironique, il n'y a que 50 mètres entre les deux. On n'aime pas trop les portraits ou les statues, mais le symbole le plus important, c'est le nom d'une rue. Rue Napoléon, vous voyez le panneau sur le mur ? On ne peut pas oublier Napoléon, c'est notre histoire, l'histoire avec un grand H. L'histoire débute le 7 août 1815. À bord du Northumberland, Napoléon doit quitter l'Angleterre et l'Europe. Il est exilé sur l'île de Sainte-Hélène. La traversée dure 2 mois et 1 semaine. C'est son dernier voyage. À ses côtés, les généraux Bertrand, Gourgaud et Montholon, ainsi que le conseiller d'État, Emmanuel de Lascaz, qui raconte. Le thermomètre anglais marque 10 degrés de différence en moins avec la vallée où nous avions débarqué. C'est un plateau assez étendu sur la côte orientale et assez près du rivage.
Des vents éternels, parfois violents et toujours de la même partie, emballaient constamment la surface. Des nuages le couvrent presque toujours. Le soleil, qui y paraît rarement, n'en a pourtant pas moins d'influence sur l'atmosphère. Il attaque le foie si on ne s'en préserve avec soin. Des pluies abondantes et soudaines achèvent d'empêcher qu'on ne distingue ici aucune saison régulière. Il n'en est point à Longwood. Ce n'est qu'une continuité de vent, de nuages, d'humidité. Toujours une température modérée et monotone qui présente du reste peut-être plus d'ennui que d'insalubrité. La mémoire est très marquée par la description que fait du plateau de Longwood Emmanuel de Lascaz dans le mémorial de Sainte-Hélène. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas passé des jours formidables, mais il a sans doute forcé le trait pour montrer un ciel toujours noir, de la pluie, voire même du froid, alors que bon, le froid est quand même tout à fait relatif. Mais personne ne savait en Europe où était Sainte-Hélène et où était passé Napoléon et qu'est-ce qu'il faisait à Sainte-Hélène. Donc il apporte un témoignage qui est un témoignage qui montre une captivité très dure, humiliante, il force un peu le trait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les visiteurs qui se rendent à Longwood House sont parfois déçus. Parce que l'endroit est au fond tel qu'il est, et tel qu'il devait être à l'époque de Napoléon, assez riant, assez fleuri, assez verdoyant. C'est vrai qu'il y a du vent, c'est vrai que la pluie peut arriver sans prévenir, qu'il y fait à peine plus froid que dans la vallée. Mais c'est ainsi qu'était Longwood House à l'époque de Napoléon. Et l'image qu'en a donnée Lascaz colle à la peau à la fois de Longwood, mais aussi de l'île de Sainte-Hélène tout entière, qui est en réalité une île aussi agréable que les îles Canaries. Le climat ici d'aujourd'hui, c'est pas un climat exceptionnel, c'est le climat normal de Longwood. Donc vous voyez, là on est en train de refaire toutes les peintures des boiseries extérieures. Donc ça, c'est les dernières sections qui sont à faire. Mais en général, quand on finit un côté, il faut refaire l'autre. Les peintures s'en vont tout de suite. L'atmosphère est humidité saturée et puis on a les vents sud-est constants toute l'année. Un seul homme veille sur ce bout de France à plus de 7000 km de l'Hexagone. Michel Danquan Martino vit ici depuis 30 ans. La démarche que l'on a suivie, c'est de rendre à la maison son aspect du 5 mai 1821, donc la date de la mort de Napoléon. Il entretient ses jardins à la française, dessinés par Napoléon lui-même et érigés comme des remparts contre ses geôliers anglais. Si Longwood est une maison assez vaste pour nous aujourd'hui, à peu près 800 mètres carrés, 800 à 1000 mètres carrés habitables pour l'empereur, il faut quand même se rappeler que cet homme n'a pas vécu ailleurs qu'aux Tuileries, au château de Saint-Cloud, au château de Fontainebleau, et que partout, il a eu à la fois des espaces, mais une forme de magnificence autour de lui, et le choc a dû lui paraître terrible. Qui est allé à Longwood, c'était pas très grand, ça n'a plus rien à voir avec les Tuileries. Et ils sont entassés, la chambre de Napoléon est petite, il a son lit, il a son lit qu'il n'y a qu'à suivre, son fameux lit de camp, mais c'est misérable. Il a juste un valet de chambre qui est à côté, comme distraction il y a un billard. C'est dans cette pièce-là qu'il a, pour ainsi dire, dicté toutes ses mémoires, tous les récits de ses campagnes, etc., en se servant de la table de billard. C'est cette pièce qui a le plus d'importance pour les historiens et pour les spécialistes de l'Empire. Napoléon revivait son épopée en le dictant et en regardant les cartes, etc. Dès que Napoléon est sur le bateau, il dit à Lascaz, nous allons beaucoup nous ennuyer. Lascaz lui dit, en tout cas si on en croit les souvenirs de Lascaz, il lui dit, mais non, nous écrirons vos mémoires et nous livrerons votre témoignage au siècle. Et c'est ce que Napoléon va faire pendant une grande partie de son exil. C'est cette idée que
Il faut se raconter. Ce que fait tout homme d'État quand il se retire, il écrit ses mémoires. Et donc, c'est ce qui va occuper Napoléon. Parce que le vrai problème de Napoléon, au départ, c'est d'essayer de comprendre comment il a pu perdre la bataille de Waterloo. La marche triomphale de l'empereur vers le nord est brutalement stoppée le 18 juin 1815. Les troupes de Napoléon sombrent face aux Anglais à Waterloo. Une ultime défaite qui provoque la chute définitive de l'Empire. Quand Napoléon se rend aux Anglais, il pense que les Anglais vont l'accueillir dans un manoir où il prendra une tasse de thé avec des vieilles dames, etc., et qu'il aura une retraite paisible. En réalité, les Anglais immédiatement se saisissent de lui et le déportent à Sainte-Hélène. Il ne pouvait pas bénéficier des lois de la guerre. Il était un prisonnier, mais un prisonnier d'un type particulier, un prisonnier mis au ban des nations par les puissances. L'attitude de l'Angleterre n'est pas condamnable dans la mesure où Napoléon était hors la loi. Elle n'est pas condamnable, mais elle manque singulièrement de générosité et d'élégance. C'est la justice du vainqueur. L'Angleterre a gagné. L'empereur est exilé. C'est dans cette maison qu'il mènera, en quelque sorte, son dernier combat. Il y avait un officier britannique dont la fonction était d'observer au moins une fois par jour Napoléon vivant. Et donc Napoléon jouait comme au chat et à la souris avec lui et refusait d'être vu. Il faisait des trous au volet, donc là pour s'asseoir avec sa longue vue, là pour lorsqu'il était debout, de telle sorte qu'il pouvait quand même regarder ce qui se passait dans ses jardins. Il va jouer en quelque sorte à cache-cache afin de, on va dire, presque de mener la vie dure au gouverneur. Et il a fort bien joué parce que le gouverneur Hudson Lowe est un homme extrêmement anxieux, extrêmement soucieux de remplir sa mission comme un rigide fonctionnaire britannique. Et ça va le rendre fou. Napoléon en profite. Il va au contraire accroître la méfiance d'Hudson Lowe. Il va l'amener à ses gestes humiliants. Il les provoque. Pourquoi ? Pour faire de cette captivité qui aurait pu se passer, sinon agréablement, du moins quand même dans d'assez bonnes conditions, pour en faire un martyr. Si Jésus, dit-il, n'était pas mort sur la croix, il ne serait pas Dieu. Et il ajoute aussi, le martyr me dépouille de ma peau de tyran. Ainsi, Napoléon gagnera son ultime bataille, celle de la mémoire. Sur le rocher de Sainte-Hélène, il achèvera la construction de sa légende. Comme en 1815, lors de l'arrivée de Napoléon, et jusqu'en 2018, seule une longue traversée en bateau permet d'accéder à l'île. Pascal Laparlière est tombé amoureux de Sainte-Hélène. Avec la construction d'un aéroport et l'approche du bicentenaire de la mort de Napoléon, il lance une agence de voyage spécialisée. Pour sa cinquième visite, il n'aurait raté pour rien au monde cette dernière traversée. C'est toujours émouvant parce qu'on se lève tôt le matin sur le bateau pour la voir apparaître au large et la voir grandir. Et au début, l'impression elle est assez conforme à ce que... Parce que à la légende napoléonienne, c'est-à-dire que c'est un espèce de bar de rochers noirs. Et il faut vraiment rentrer dedans pour découvrir que c'est une île tropicale avec de luxuriantes. La première impression est une impression assez agressive. C'est un peu la faute de Napoléon. En fait, lui, il poursuivait un but politique. Il poursuivait pas un but touristique. Donc, il a un peu noirci le tableau. Je pense que ce qu'elle a d'unique, c'est que quand on a lu beaucoup de livres d'histoire sur l'exil de Napoléon, on retrouve exactement les mêmes endroits. Tout est resté en place comme il y a deux siècles. Et je trouve que c'est ça qui est assez formidable de se balader dans l'histoire.
balade qui vous emmène 200 ans en arrière, dans les pas de Napoléon, venu ici sur la plage de Sandy Bay à deux reprises. Les canons rappellent le choc des empires, quand les Anglais protégeaient le littoral afin d'éviter toute tentative française pour libérer l'empereur. Pascal veut transmettre sa passion de l'île au plus grand nombre. Il vient préparer les futurs voyages de groupe. Et à quelques mois du bicentenaire de la mort de Napoléon, il sait que la demande risque d'être importante. Salut Michel, ça va ? Bon, il fait beau. Le temps couvert, ouais, c'est la fin de l'hiver, donc c'est formidable. À peine débarqué, Pascal marche déjà dans les pas de Napoléon. Direction le pavillon des Briards, là où l'empereur a vécu ses premiers jours de reclus. Pascal y retrouve ses compagnons de croisière, un couple venu d'Australie. Bonjour, ça va bien ? Ça va, très bien, merci. Votre français est très bon. Merci. Napoléon fait partie de leur histoire familiale. Ils sont les héritiers des propriétaires du pavillon, la famille Bellecombe, une des rares à avoir noué un lien d'amitié avec l'empereur. On voulait vraiment être dans cette pièce, au même endroit que l'empereur. En dehors des grands palais, c'est rare de pouvoir visiter une pièce où Napoléon a vraiment vécu. Sainte-Hélène n'était pas prête pour recevoir Napoléon. Ils ont été avertis qu'une semaine avant, donc c'était un peu court pour préparer. Ils choisissent la maison de Longwood. Ils décident de l'étendre, de l'agrandir, de faire des aménagements. Et durant cette période d'aménagement, ils décident de faire camper Napoléon ici, au Briard, ce qui est une propriété qui appartenait donc à la famille Bellecombe. Évidemment, les Briards vont faire partie de ce circuit après le Jamestown, avant Longwood, pour retracer tout le parcours de Napoléon sur l'île. Dans l'esprit de Pascal, les étapes de son programme touristique se précisent. Pour raconter au mieux aux visiteurs l'exil de l'empereur français. Employé de l'office de tourisme, Meryl Joshua a longtemps été l'incarnation du prisonnier de Sainte-Hélène. Pour faire vivre la mémoire de Napoléon, il enfilait ses habits lors des cérémonies officielles. La présence de Napoléon sur cette île nous a donné une renommée dans le monde entier. C'était déjà le cas à l'époque. Aujourd'hui, nous ne sommes pas obsédés par Napoléon, mais nous respectons l'héritage qu'il nous a laissé et qui va devenir une grande part de notre activité touristique. Nous avons beaucoup de respect et nous sommes reconnaissants. Finalement, les Anglais ont fait de Napoléon un prisonnier à Sainte-Hélène. Et c'est lui qui fait maintenant des Anglais les prisonniers de Sainte-Hélène, puisque ce sont les touristes qui viennent pour voir les lieux où est mort Napoléon. En cette année de bicentenaire de la mort de Napoléon, les habitants de Sainte-Hélène se tenaient prêts à accueillir les voyageurs venant du ciel. Près de 5000 touristes, férus d'histoire ou fans de l'empereur, étaient attendus dans l'aéroport de Lille, inauguré en 2017. Mais la pandémie a rendu Lille encore plus inaccessible. Les commémorations dans le domaine français de Sainte-Hélène vont se tenir en tout petit comité,
le consul honoraire de France, le gouverneur britannique et quelques irréductibles, le dernier carré de l'empereur. Vous êtes dans la salle de bain. Il y avait un drapé blanc qui recouvrait la baignoire, un espèce de tabouret. Parce que Napoléon, il passait des heures entières tous les jours. Donc c'était quelque chose qu'il affectionnait particulièrement. Lorsqu'il arrive à Sainte-Hélène, il souffre de petits maux, certes, les pieds enflés, petite douleur au côté, qui présage peut-être sa maladie finale. Alors, il prend des bains très chauds, et il peut rester des heures dans son bain à écrire, à travailler, à réfléchir, à discuter aussi parfois avec ses compagnons qu'il convoque au chevet de sa baignoire, si je puis dire. Il est très éprouvé par l'oisiveté, par l'absence d'exercice. Songez qu'il a énormément grossi. Napoléon n'est pas empoisonné, c'est la maladie qui le ronge progressivement et qui le conduit à la mort. Cette pièce, c'est le sanctuaire, je dirais, de Longwood House, la maison de Napoléon à Sainte-Hélène, puisque c'est la pièce dans laquelle Napoléon est mort. Il est mort dans un lit campagne, comme celui-ci. Quand je vous dis qu'on sait tout sur tout de cette maison, lorsque des Français sont rentrés à Paris, donc un peintre, Steuben, a demandé tous les détails. On a tous les éléments qu'il nous faut dans l'optique d'offrir aux visiteurs l'aspect de la maison à la date de la mort de Napoléon. Napoléon, dans son testament, demande à être enterré en France. Donc d'abord à Paris, sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé, ou alors à Lyon, sur une petite île entre Saône et Rhône, éventuellement à Ajaccio, dit-il, mais il ajoute... Je pense bien que les Anglais ne permettront pas qu'on ramène mon corps en Europe. Et dans ce cas-là, je souhaite être enterré dans ce qu'il appelle la vallée du Géranium. Les compagnons de Napoléon, Montholon et Bertrand en font part à Hudson Lowe, qui accepte de l'y inhumer et qu'on l'oublie. La nature est pour moi un très beau cadre pour la légende. Je laisse la nature donner l'impression que c'est la nature qui prend le dessus, donc elle est évolutive, elle est capricieuse. Et il faut donner cette impression que c'est la nature toute puissante et c'est pourquoi j'en fais un puits de verdure. Là, nous sommes en période sortie d'hiver, donc c'est très très vert, mais il y a très peu de fleurs. La question du nom qui figure ou ne figurera pas sur la tombe va opposer immédiatement le général de Montholon et le général Bertrand à Hudson Lowe. Est-ce qu'il fallait mettre Napoléon, général Bonaparte, l'empereur Napoléon ? Et finalement, le général Bertrand décide qu'il n'y aura pas d'inscription sur la tombe. Vous cherchez un nom, dira Lamartine, demandez à la terre. Mon grand regret, c'est de n'avoir pas laissé Napoléon à Sainte-Hélène. C'est très facile d'avoir le tombeau de Napoléon, mais précisément, c'est parce que c'est facile, parce que c'est froid, parce que c'est impersonnel, que la légende, cette fois, s'éteint dès qu'on a franchi les Invalides, alors qu'à Sainte-Hélène, cette tombe abandonnée est extraordinaire. Les touristes veulent voir la tombe de Napoléon à Sainte-Hélène en sachant éperdument qu'elle est vide. Pourquoi ? Ça fait partie de la légende, et donc de la légende, on en fabrique ce que l'on veut. Il y a quelque chose dans ce destin qui fascine, et ça ne peut pas se terminer. Ça ne peut pas se terminer, donc il faut qu'il se soit évadé, il faut qu'il ne soit pas mort.
bien sûr, le mystère est beau, le mystère fait vibrer. Et vraiment, aujourd'hui, aucun document ne valide aucun des mystères de Sainte-Hélène.